Vous êtes bénis au nom de Jésus. On va écouter la soeur. Elle va glorifier le nom de Jésus à travers son témoignage. Sois béni, ma soeur. Nous t'écoutons. Mets-toi là. Tu parles un peu plus fort. Gloire à Jésus. Amen. Quand je suis venu ici le mois dernier, c'est-à-dire le 24 mars dernier, moi je marchais comme canard. Je ne pouvais même plus porter mes chaussures chères. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai porté ces chaussures. Alors, merci beaucoup. Alors, je suis venu lui dire merci. Remercier et lui dire que franchement, que je l'aime de tout mon cœur. Parce qu'il s'est montré à moi, en tant que je suis musulmane. Je l'ai vu. Allez. Il m'a même touché. On appelle Jésus. Elle a bien précisé. Elle dit je suis musulmane. Mais je suis Jésus. Toi qui es chrétien, tu fais comment tu ne crois pas Jésus? Amen. Je vais vous exhorter au peuple. Attachez-vous à Jésus. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je dis c'est la foi. Le prophète il va faire. Mais quand il finit de faire, il s'en va. Et toi, quelle est ta part? Elle dit, je suis musulmane, mais j'ai vu Jésus. Alléluia. Attachez-vous à Jésus. Et je voulais exhorter en même temps quelqu'un. Quand tu finis ton témoignage, il faut sceller ça. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Continue ma sœur. Sois béni. Donc, comment j'ai vu Jésus? Oui. Allô? Alors, on est parti d'ici le 26 mars. Et comme le mardi, moi j'ai un petit temps libre. Donc, j'ai la journée pour passer à la maison. Et je suis en train de, parce que j'ai été délivré le 24 par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça s'acclame, hein? Donc, je regardais mon film, qu'ils ont fait sur moi, ma délivrance. J'étais en train de regarder, ben, je ne sais pas faire la prière chrétienne. Oui, oui. Donc, j'ai fermé mes yeux, j'ai dit, Seigneur Jésus, si tu m'as délivré, moi, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon âme, oh Seigneur. Alors, je parlais de ça en fermant les yeux, comme je l'ai entendu ici. J'ai fermé les yeux, et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une lumière très blanche. Alléluia! Comme ça. Et j'en ai parlé à mon mari. Alors, c'était la première fois. La deuxième fois, ça c'était en songe. Trois jours après le mardi. Alors, dans mon rêve, je vois une personne, mais je n'ai pas vu son visage en fait. On ne voit jamais son visage. C'était derrière, c'était son dos, c'était les cheveux, l'habit blanc qu'il porte. Amen. Voilà, je ne sais pas ce qu'on voit dans les films là. Ouais. Voilà, très très blanc, et puis avec une lumière, mais franchement, une lumière quoi. Et les gens qui étaient qui l'entouraient, eux, ils étaient flous. Mais la lumière était sur lui. Et je me suis réveillée le matin, j'ai dit à mon mari, il dit, ah Coco, on dirait à quelque chose, hein. Ah là là. Donc, ça c'est la deuxième fois. La troisième fois, quand papa était en Italie, j'étais en train de regarder aussi. Et la troisième fois, j'étais en train de regarder le film. Et puis j'ai fermé les yeux aussi, de la manière les gens priaient et tout. Et pareil, encore la même lumière blanche est passée comme ça. J'ai dit, mais alléluia. Amen. Alléluia. Elle dit alléluia. Alléluia. Ça veut dire je l'accepte. Donc, ça c'était le jeudi dernier. Mon mari travaille au McDo, il est responsable du McDo. J'étais là-bas. Bon, j'étais assise pendant qu'il était en train de travailler. Et il y a une mère qui est venue me toucher comme ça. Yes. Amen. Et je... Yes. J'ai entendu une voix. J'ai fait ça. Ben, j'étais tremblant. Après, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ah, j'ai dit, Jésus, il est en train de me suivre. Hein. Voilà. Donc voilà mon témoignage. Amen.
ce que le Seigneur a fait pour moi. Alors donc il y a deux, trois jours de, ce, de cela, j'étais couché aussi et j'ai vu faire ça. C'était, je crois que ça c'était un truc hors de Jésus. Il y a quelque chose, en fait, comme courant m'a attrapé. Quelque chose est venu tomber sur moi comme courant m'attraper. J'ai crié. Je crois que mon mari a entendu et je me suis réveillée. Et depuis ce jour-là, le truc, ça remonte là. Ça remonte à mon épaule. Voilà. Donc, merci à Jésus. Merci, Papa Grasso. Merci à ceux qui ont fait venir Papa ici, parce qu'on n'a pas le moyen de le faire. Il faut reconnaître. Ici, quand la famille, ici, on est quatre. Quand chaque fois qu'on vient en avion. Voilà. Donc, c'est pas à plus forte raison prendre quatre personnes pour partir en Côte d'Ivoire. Franchement, merci aux organisateurs. Amen. Merci pour tout et que Dieu vous bénisse. Amen. Et que votre bénéfice soit vraiment le paradis. Merci. Oui, yes. Elle a tout dit. Sois béni, ma soeur. Sois béni. Merci, papa. Sois béni. Je dis merci ce soir, Dieu, mon Père à tous. Je suis là parce que Dieu a fait beaucoup dans ma vie. Cela fait presque un an que j'ai des problèmes de santé. J'étais à Lyon avec mon mari et mes enfants. J'étais de nouveau à Paris et je suis là aujourd'hui parce que Dieu a fait beaucoup dans ma vie. Alléluia. Je pense que tous ceux qui ont regardé la vidéo de Paris le 8 avril ont vu mon témoignage. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce sera trop long. J'avais des maux de gorge aigus, j'avais des produits très forts dans la gorge pendant 2 mois. J'ai eu tous les traitements qui n'ont servi à rien. On m'avait fait une endoscopie sous anesthésie générale le 3 avril. À mon réveil, le médecin qui vient qui me dit à Mme Stoum, on n'avait rien, on n'a rien trouvé. Il dit, ah bon? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais c'est vous le médecin, si vous n'avez rien trouvé, on ne fait rien. Et j'avais toujours mal à la gorge. Les mêmes produits qui continuaient. Alors le 8 avril, j'étais à Paris pour voir papa. Et après mon témoignage, j'ai été délivrée. Et depuis, j'ai plus mal à la gorge. Les mots de gorge ont disparu. Ça s'acclame très fort. Et le nom de Jésus soit glorifié. Alors ce soir, je dis merci à Dieu, je dis merci à papa, parce que c'est à travers Dieu que j'ai été guérie. À travers Dieu, papa m'a guérie. Et je dis merci pour tout ce qu'il fait pour ses enfants, pour tout ce qu'il fait pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, et que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Merci. Sois béni. Bien-aimé, bonsoir. J'ai travaillé avec trois entreprises. J'ai travaillé pour trois entreprises pendant longtemps et j'ai décidé il y a 4 ans de me mettre à mon propre compte. C'est dans le traitement des déchets. Alors, j'ai commencé à ouvrir mon entreprise et quelques temps après, j'ai senti que j'avais les membres qui étaient un peu bloqués derrière. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'étais prisonnier. Donc j'ai fait des examens, ça me grattait, tout était négatif. J'ai fait tout sortes d'examens. Alors, on me donnait des pommades, des comprimés, et au bout du compte, le médecin m'a dit, écoutez, on ne peut plus rien vous donner, parce que, bon, on ne trouve rien. Donc, depuis 4 ans, je me suis appauvri. Et l'entreprise n'a pas vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Donc, et de temps en temps, nous suivons le maréchal, le prophète Joël Crasso, à travers ces vidéos. Donc nous avons appris qu'il venait ici en Europe et je me suis déplacé avec la famille à Paris, à Vitry-sur-Seine. Donc il nous a donné certaines recommandations. Et lorsque je suis rentré il y a pratiquement 2 semaines chez moi, je crois 3 jours après, j'ai senti que le blocage que j'avais au niveau des omoplates avait pratiquement disparu et ça se retrouvait au niveau de... Yes! Yes!
C'est Jésus qui fait ça. Alors, le mal s'est déplacé et il s'est retrouvé au niveau de mes jambes en ce moment. Je crois que je suis en train d'être délivré. Alléluia. Quand il commence, il termine. Le bon moment pour remercier le Dieu et le prophète à travers, disons, ça me manque vraiment. Je ne sais pas ce que je peux dire au prophète. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand il commence, il termine. Alors, je voulais remercier par excellence. Et pour finir, tous les rêves, je faisais des rêves, on était en train de m'égorger. Quelques semaines avant son arrivée, j'ai rêvé qu'on m'égorgeait. Une autre fois, que j'étais sous l'emprise des épines clouées au sol. Et depuis deux semaines, je ne fais plus de cauchemars, plus de mauvais rêves. Alléluia. Alors une fois de plus, merci. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et qu'est-ce que tu as fait pour guérir? C'est le bain d'huile ou bien papa a prié seulement pour entrer en profondeur? Le prophète m'a touché deux fois. Yes. Et il a aussi une série de bains d'huile. Yes. Vous l'avez compris, hein? Une série de bains d'huile. Et il l'a saillé derrière là-bas. Je crois que j'ai utilisé six bouteilles d'huile. Amen, 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 amen. On acclame Jésus. C'est pas brûler, hein, c'est une donction. Une donction. Ça est là-bas. Ça dit qu'en salle, je peux avoir utilisé 6, 5 ou 6. Et puis chez moi, j'en ai utilisé, je crois, 2 ou 3. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Sois béni, frère. Merci bien. Sois béni, ma sœur. Raconte les merveilles de Jésus. Alléluia. Tu es tellement belle. Oh Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Je veux rendre grâce à Dieu. Alléluia. Je veux glorifier le nom du Seigneur Jésus. Yes, il est Dieu. Et lui dire que vraiment il est merveilleux. Alléluia. Et c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux tout ce qu'il fait à travers papa. Ah yes. Et je lui rends grâce. Gloire à Jésus. Il y a quelque temps, ma sœur, Emilienne, tu peux te lever, s'il te plaît? Yes. Émy, sois bénie, Émy. Qui me téléphone, moi je réside en Suisse. Yes. Ça fait 20 ans que j'habite en Suisse. Emilienne me téléphone, elle me dit, écoute, Marinette, il y a papa Crasso qui va venir à Paris. C'est qui, papa Crasso? Papa Crasso, pardon, excuse-moi, mais bon... Vas-y. Excuse-moi, mais bon, moi, je n'ai pas envie de me déplacer, je n'ai pas envie d'aller prier n'importe où. Elle me dit, mais écoute, j'insiste, viens quand même, tu vas voir ce que c'est. J'ai dit, mais écoute, Emilienne, si tu veux partir, il n'y a pas de problème, moi, je t'offre le billet et je t'offre l'hôtel, mais moi je ne me déplace pas pour aller voir ton papa Crasso. Yes. Voilà. Et puis elle insiste, mais je viens quand même. Donc difficilement. Oui, c'est le Saint-Esprit. Je viens quand même le 24. Et quand je suis arrivée, je vois papa Crasso rentré. D'abord, quand je suis arrivée le 24, le jour de la louange, je dansais plus que tout le monde. Ma soeur qui se retourne, elle me regarde comme ça. Je dis, bah oui, Jésus. Donc, je dansais sans arrêt, je sautillais dans tous les sens. Et après, on a été reçus individuellement par amen. Papa. Amen, amen. Et il a prié quelques secondes pour moi. Amen. Et il m'a dit, écoute, tu viens à Zurich, puisque moi je réside en Suisse. Oui. Mais malheureusement, je n'ai pas pu partir à Zurich. Et les huiles qu'il devait prendre pour me oindre, ce jour-là, comme je ne suis pas partie, je ne les ai pas utilisées. J'appelle ma soeur, je lui dis, mais écoute, je ne suis pas partie à Zurich, j'ai les huiles avec moi. Et qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mais écoute, écris à papa et puis tu lui demandes qu'est-ce que je fais avec mes 3 bouteilles d'huile.
Et elle me dit, elle appelle, elle écrit, donc ils se parlent. Et papa lui dit, mais elle n'a qu'à utiliser l'huile. Elle peut se frotter avec et tout. Et puis, elle vient aujourd'hui, oui. Donc ici. J'explique un peu tout ça. C'est pour en venir, en fait, par rapport à mes examens, oui. Médicaux. Yes. Donc, j'ai fait des examens il y a quelques temps. Depuis que je suis en Suisse, chaque année, je fais un bilan de santé et je n'avais pas de problème. Et il y a 4 ans, je fais un bilan de santé et on me dit que oui, que j'ai l'hépatite, j'ai des problèmes dans le foie. Je dis, attends, comment ça se fait? Je dis au médecin, mais au fait, l'hépatite, on choque ça comment? Il me dit, mais vous avez l'hépatite B. Mais l'hépatite que vous avez, ça peut être bénigne, ça peut venir aussi de votre maman, des trucs comme ça. J'ai dit, bon, ok. Donc, je refais les examens. Pendant 3 ans, j'ai toujours ces traces d'hépatite. Et quand j'ai commencé à utiliser l'huile... Comment? Explique bien. L'huile. J'ai commencé à me frotter avec l'huile. Écoutez bien. J'ai commencé à me frotter avec l'huile. Yes. Et j'ai pris une gorgée, enfin, dans la poignée, dans la paume de ma main. Mm-hmm. Et j'ai bu cette huile. Vous avez compris. J'ai bu cette huile. Et il y a 2 semaines, je suis retournée faire des examens parce que je dois partir à Abidjan. Mm-hmm. Et je voulais faire un petit bilan de santé quand même. Oui. Je vais faire les examens. Yes. Je prends mes examens. Je dis, oh, de toute façon, j'ai l'hépatite. Et puis, c'est toujours les mêmes trains-trains. Mm. J'ouvre l'enveloppe, je regarde. HIV négatif. Hépatite négatif. Hey! Qui peut faire ça? Alléluia! Qui peut faire ça? Je dis, tout était négatif. Je dis, bon, peut-être que je lis mal, je ne suis pas docteur, je vais quand même voir le médecin. Je vais avec mes résultats chez le médecin. Il regarde, il me dit, mais vous n'avez rien, vous êtes en bonne santé. Je dis, ah bon? Je dis, mais j'ai pas l'hépatite là. Il dit, mais non, vous n'avez pas, tout est négatif. Amen. On acclame Jésus, oui. Le Dieu de miracle, le médecin par excellence. Oui, amen. Amen, amen. Et hier, je continue, oui, dans ce témoignage. J'avais été opérée il y a 15 ans des fibromes. Oui. Et la cicatrisation s'est très mal passée. J'ai eu une déchirure intérieure, donc du pubis. Et il y a quelques temps, j'ai commencé à avoir des affreux douleurs. Je suis allée voir le gynécologue qui m'a dit, écoutez, vous avez l'hernie, comment ils appellent, je ne me souviens plus du nom, mais hernie pubibienne, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et on m'a dit aussi que j'avais l'hernie ombilicale, donc 2 hernies. On devait m'opérer. J'appelle ma soeur, je dis, mais tu te rends compte, c'est quand même bizarre parce que j'ai l'hernie, 2 hernies, on doit m'opérer. Et ça, c'est quand même bizarre. C'est pas normal que j'aie ces hernies-là. Et quand j'ai bu effectivement l'huile, oui. Hier, je suis allée aux toilettes. Il y a une boule. Yes! Yes! Il s'appelle Yeshua Mashiach. Emmanuel, tu es avec nous. Il y a une boule qui est sortie de mon ventre. Yes. Tombé dans les toilettes, j'entends boum, j'appelle ma soeur, je dis attends, il y a quelque chose, je suis allée aux toilettes, ce n'est pas le même bruit que d'habitude, oui. Mais là, il y a un bruit bizarre, il y a une boule qui est sortie, je n'ai pas osé, j'étais comme ça à regarder, tellement j'avais peur de regarder derrière moi. Je vais dans la douche pour prendre ma douche, encore, qu'est-ce que je vois pendant que j'étais en train de me doucher?
écaille de poisson comme ça. Je suis venue avec une écaille de poisson ici. Mmh. Je l'ai oubliée à mon hôtel. Mmh. Je voulais venir vous le montrer. Mmh. Oui. Yes. L'écaille, écaille de poisson. Je dis, mais attends, écaille de poisson mmh. ici. C'est pas ma cuisine ici, dans, oui. dans la baignoire. Oui. Donc, je sors l'écaille des poissons avec la pierre ponce parce que j'avais peur de toucher. Mm. Je sors l'écaille de poisson que je pose sur le rebord de la baignoire mm. et je prends l'huile sainte, l'huile bénie. Mm. Je renverse sur l'écaille de poisson. Je ramasse tout ça, j'ai mis ça dans un coton imbibé d'huile oui. que j'ai mis dans un sachet. Je suis venue ici avec. Amen. 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 C'est Jésus qui peut faire ça. Amen. C'est Jésus qui peut faire ça. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu as la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux remercier Papa. Lui qui a permis. Qui a permis que tout ce que je viens de vous citer soit dévoilé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je remercie aussi ma sœur qui m'a poussée à venir jusqu'ici. Sois béni. Merci. Sois béni. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Elle dit de tenir le micro, elle va faire son témoignage. Donc, je suis très timide, excusez-moi, oui, ouais. C'est la première fois que je vois. Mmh, j'ai si jolie tête, j'ai si joli visage. Alors, mmh. Merci Seigneur. Mmh. Et bon, alors je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Mmh. En cette soirée, j'ai voulu vous livrer mon témoignage. Amen. Le 24 mars 2017, dans la salle Infoline, je remercie le prophète Joël Crasso, car il a imposé ses mains sur moi. J'ai alors suivi le traitement avec l'huile sur le corps, tous les soirs et tous les matins, en écoutant le CD. Oui. Je vais vous dire que le CD, c'est très important de l'écouter. C'est ce qui vous donne une carapace de force, yes. de paix, de joie. Faire un cadeau à quelqu'un, c'est pas la peine de faire une montre, un bracelet ou une chemise. Faites-lui un cadeau de CD du prophète Joël Crasso. Et je vous assure que vous lui faites le plus beau cadeau, le cadeau de la vie éternelle. Amen. Amen. C'est merveilleux. Moi, je ne pourrais plus me coucher sans écouter le CD avant de dormir. Mm-hmm. Et non seulement ça, mais comme j'habite dans un duplex, j'en ai pris deux. Parce que je me dis, j'ai pas pu dire déplacer deux. J'en ai un en bas et un en haut. Et quand je suis en haut, quand je suis en haut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Par contre, quand je suis en haut, je suis en compagnie du prophète. Crasso, là-haut, et quand je suis en bas, je suis en compagnie du prophète Crasso. En bas. Je vais continuer. Oui. N'oubliez pas d'acheter des CD en cadeau. Mm-hmm. Parce que le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre prochain, c'est d'acheter un CD. Merci. Un CD. Je le répète parce que c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Oui. Et qui m'a donné une force incroyable. Mm-hmm. Bon, alors. Aux alentours du 20 au 25 avril, j'ai ressenti une délivrance yes. en moi. J'ai retrouvé le sommeil et la paix. Yes, ça s'acclame. Merci Seigneur. Ça s'acclame. Merci Seigneur. Parce que quand tu fais 24 aussi, 24, tu ne dors pas, c'est qu'il y a problème. Maintenant, elle dort. Amen. Grâce à la cassette. Merci. Grâce à la cassette. Je suis encore retourné là-bas. Je suis encore retourné là-bas. Nous, on m'a dit qu'on parle de Tikenti. On ne demande pas. Donc, je répète, aux alentours du 20 au 25 avril, j'ai ressenti une délivrance en moi. J'ai yes. retrouvé le sommeil et la paix. Amen. Possédé. Bon. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir mis entre les mains du prophète Joël Crasso, Amen. Homme de Dieu. Yes. C'est par la grâce de notre Seigneur que ma guérison s'est accomplie. Mm-hmm. Et je remercie infiniment
par notre Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Jésus, sois béni, ma soeur. Sois béni pour ta foi. Ta foi a déplacé les montagnes. J'ai quelque chose à dire. Depuis mon enfance, j'aime beaucoup mon prochain. Yes. Et j'avais le don de guérir les malades. Yes. Et ça, c'est une chose que je vais en parler au prophète Crasso pour qu'il me donne de le développer. Parce que l'ennemi, il a toujours été là pour m'empêcher de faire l'imposition aux malades. Quoi. Donc, le Seigneur m'a montré à plusieurs reprises qu'il y avait des personnes malades. Par l'esprit, il me dirigeait vers des personnes. Et c'est vrai que quand j'écoutais l'esprit qui me parlait, j'allais chez les personnes et les personnes, ils étaient guéris. Amen. Alors, je vais demander au prophète Crasso qu'il m'enlève cette crainte, cette peur de l'ennemi pour qu'il m'aide à développer et à enlever cette crainte que j'ai en moi pour que je puisse guérir mon prochain. Voilà. Parce que si je suis ici, c'est parce que je vous aime à tous. Je ne regarde pas la couleur de la peau parce que Dieu aime tous les enfants. Dieu aime tous les plus grands architectes de la terre et des cieux, de tout l'univers et les couleurs pour Dieu, c'est la vie. On a les couleurs de la vie. C'est la vie, c'est les couleurs qui nous donnent la vie. Alors je vous remercie. Et puis, j'espère vous revoir à bientôt. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Au revoir et merci. Sois béni. Amen. Je viens remercier le Seigneur et je vais chanter un peu pour lui dire merci. Alléluia. À venir témoigner. Alléluia. La vie, Jésus-Christ m'a libéré. C'est à lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La vie. Jésus-Christ m'a libéré. C'est à lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Yes. Parce que Dieu nous aime. Yes. Je veux confesser parce que l'heure de la vérité a sonné. Longtemps j'ai erré. Quand je dis erré, à cause de la sorcellerie, j'ai été chez les marabouts pour trouver la guérison, mais je ne l'ai pas trouvée. Amen. Yes. Voilà, c'est pour ça, depuis près de 7 ans, je suis le Seigneur. Amen. Et je me suis abandonné à lui. Amen. Mais ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont le don de guérir facilement les œuvres de la sorcellerie. Amen. Amen. Je vous ai dit, j'étais à Paris, d'ailleurs j'étais d'abord ici et puis à Paris, et partout où le prophète va en France, je le suis avec ma famille, et nous voilà encore ici aujourd'hui pour clarifier le nom de Dieu et bénir le prophète Crasso, que Dieu lui donne longue vie et qu'il le courage de son nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas par quel bout commencer. Quand je suis allée à Paris, le prophète a donné un acte, il a recommandé un acte prophétique, vous savez, avec l'onction. Tôt le matin, on devait faire cet acte-là. Ceux qui étaient à Paris en savent quelque chose. Je n'ai pas commencé tout de suite après Paris, parce qu'on devait se déplacer et ça se passait pendant une semaine. J'ai commencé mon acte prophétique la semaine dernière, samedi. Au troisième jour, dans la nuit, à partir de 3 heures, c'est la douleur, une des douleurs atroces au niveau du cœur qui m'a réveillée. Amen. Je vous dis en passant que dans notre village, les sorciers ont une nouvelle stratégie de tuer parce que j'ai perdu mon grand frère l'année dernière. Il est mort en 2 heures de temps. Amen. Ils ont une flèche mystique qui se lance ça vers le cœur. Tu ne peux pas résister, tu tombes. Donc je me suis levée avec cette douleur au niveau du cœur, dos et devant, à 3 heures du matin.
Je me suis levée. J'ai pensé que j'allais mourir. C'était atroce, foudroyant, comme si vous avez le couteau en plein cœur. Amen. Donc je suis allée boire l'onction. Je me suis frotté l'onction devant et derrière. Ma fille m'a dit, maman, tu as un souci. J'ai dit, oui, j'ai très mal. La douleur tenait de la nuque au cœur, devant et derrière et tout le bras. J'ai pris l'onction, j'ai prié Dieu. Et après 5 minutes seulement, la douleur a disparu. Amen. Yes! Est-ce que tu as compris? On va aller au village. Je vous dis, attends, ma soeur. Elle dit, l'année dernière, son frère est décédé d'une douleur. C'est comme si on a lancé une flèche. On lui a lancé. Et cette flèche a fait que son frère est mort. En 2 heures de temps. En 2 heures de temps. Maintenant, la même flèche là, on a téléguidé ça sur elle. Mais comme le Saint-Esprit en est, amen. Et que Jésus l'a choisi, amen. Jésus l'a racheté. Il dit, tu ne mourras pas. Tant que tu vivras, tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Et quand on a mis la flèche, elle dit, au nom de Jésus, je renvoie ça à la voyelle. Elle a pris l'huile qui est au bout là-bas. Nous n'allons pas aller acheter pour toi. Elle a pris l'huile. Qu'elle a fini de boire, elle s'est frottée là-dessus. Elle dit, je retourne cela à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus, le Dieu du prophète Joël Crasso, Jésus-Christ de Nazareth, guéris-moi, je vais proclamer ton nom. C'est pour cela qu'elle a arrêté. Va acheter ton huile. Achetez l'onction, ce n'est pas un jeu, amen. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit ou bien pour faire une publicité, ça me ressemble pas, c'est la vérité. Cette onction est de Dieu, elle est puissante parce que ça fait des merveilles. Il n'y a pas que ça, ma fille, ma deuxième fille ne dormait pas pendant des mois et des mois. Elle avait une tension de 18. On fait tout à l'hôpital, ça ne disparaît pas. La sorcellerie nous fatigue. Donc on a orienté l'attention sur ma fille. Mais depuis qu'on prend l'onction, on a déjà utilisé 6 bouteilles. Ma fille, l'attention a baissé. Amen. Et elle dort profondément. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce n'est pas tout. Comme ils m'ont loupé la nuit là, ils m'ont loupé, ils étaient tellement en colère. Et le quatrième jour, quand je vais avec ma fille de bonheur faire mon acte prophétique, à côté de chez moi, il n'y a pas de forêt, il n'y a rien, à 4h du matin, heureusement, je remercie le nom de Dieu et je bénis encore le prophète pour ses enseignements. Avant d'aller, on a déprogrammé, on s'est plongé dans le sang de Jésus-Christ et on est descendu. Arrivé là-bas, on a commencé à parler par rapport à l'acte prophétique. Ma fille était derrière moi. Le vent a commencé à souffler. Pendant que le vent soufflait, je voyais comme si une ombre venait vers nous. Et après, ma fille dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un chat qui sort entre mes pieds, un chat noir, amen. Après, un troisième, un quatrième. J'ai fini là, ton adieu, au nom de Jésus-Christ. Nous nous tenons dans le sang de Jésus. On vous envoie le feu de l'Esprit Saint, que le feu de l'Esprit Saint vous embrasse au nom de Jésus. Et les chats ont pris vite, amen. C'est pour ça que j'ai chanté, que j'ai la vie en Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, il y a la vie qu'en Dieu. Yes. Je n'en ai pas rien pour toi, c'est Jésus-Christ qui guérit. Yes. Il fait de merveilles, amen. Yes, yes. C'est la vérité. Partout où je passe, les sorciers même m'ont donné le nom de sorcière. Comme Dieu même, il ne m'a pas tué. C'est pour ça que j'ai dit, quand je viendrai parler ici demain aujourd'hui, je veux regarder le prophète là sur lui dire, papa, me voici, les sorciers me traitent de sorcière. Si je suis sorcière, viens enlever ma sorcellerie ici là maintenant. Merci pour ton témoignage. Et je termine en disant que je suis responsable d'une association pour les enfants, certainement à cause de la sorcellerie aussi. Je voulais faire un orphelinat au Cameroun. Comme je suis d'origine camerounaise,
Donc, ça n'a jamais marché. Dans le cadre de mon association, j'ai ramené pour le prophète un sac de chaussures pour les enfants de la fondation. À la clame. Bon, je dis la même chose. Un sac de jouets et deux sacs de vêtements à mettre. Et quand Dieu m'a bien me délivré encore, et que tout va rentrer à l'ordre, je ferai plus que ça. Amen. Amen. Soyez bénis, prophète. Amen. Sois béni, enceinte. Bonsoir, peuple de Dieu. Oui, sois béni, ma sœur. Moi, je viens de la Suisse aussi, comme la sœur de tout à l'heure. Welcome. Voilà. Donc, moi, j'ai connu. Moi, j'ai gagné une Ivoirienne. Hein. Non, je vous dis, vrai. Je suis gagné une Ivoirienne. Ah, bon. Voilà, donc moi j'ai des problèmes, voilà. J'en ai parlé à mon frère Ludovic Cohen qui est là. Mm-hmm. Donc un jour il m'a téléphoné, non c'est moi qui l'avais appelé. Mm-hmm. Et il me dit ah, écoute, il y a un prophète qui va venir de la Côte d'Ivoire, ici en France. Et puis voilà, prépare-toi comme ça, tu pourras venir. Mm-hmm. Et au moment où le prophète devait arriver, j'avais autre chose. Donc, je n'ai pas pu venir en ce moment, mais il m'a dit que non, il va encore revenir ici à Lyon en fin avril. J'ai dit, bon, là, c'est bon, je vais me préparer tranquillement et puis je vais venir. Amen. Donc, pendant ce temps, j'ai commencé à regarder la vidéo sur YouTube. Amen. Et chaque fois, je regarde. Et puis, il y a 5 jours, j'ai regardé quand le prophète était en Italie. Oui. Donc, il prophétisait, il prêchait, il prophétisait. Il parlait, il disait des gens qui cherchent par exemple du travail, qui ont des difficultés. Alors je note que lui, il donnait 3 jours, 72 heures, et qu'ils allaient avoir une solution pour leurs problèmes. Mais il faut seulement croire. Hein? Alors moi j'écoutais ça, j'ai dit, ben, effectivement, si j'ai ce problème-là, c'est vrai que mon gros problème, ce n'était pas d'abord ça, mais ça fait partie justement. Et puis j'ai commencé à regarder, j'ai suivi. Quand il dit toucher l'écran, il prêche, il dit toucher l'écran, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Et puis j'ai dit oui, pourquoi pas. Oui. Moi aussi, j'ai touché l'écran. Par la foi. J'ai dit amen chaque fois quand il prêchait. Mm-hmm. Moi je répondais aussi amen et puis voilà. Et le lendemain, je me suis dit bon, est-ce que ça suffit? Parce que je n'étais pas encore vu. Hein. Est-ce que je pourrais vraiment avoir une solution pour ça? Parce que j'ai déposé des dossiers pour un emploi. Surtout le diplôme que j'ai, c'est un diplôme où l'hôpital cantonal de Genève emploie vraiment des gens qui ont ce diplôme. C'est lorsqu'ils n'ont pas qu'ils prennent des êtres humains qualifiés. Ouais. Et quand je suis allée déposer mon dossier, on m'avait dit oui, mais en fait, vous êtes résidente parce que là, on prenait beaucoup les frontaliers, les frontalières. Mais là, on va vite vous prendre, il n'y a pas de problème. Mm. J'ai déposé le dossier, j'attends, il n'y a pas de suite. Donc, depuis 2 mois, jusqu'à la semaine dernière, je suis allée, j'ai dit, écoutez, moi, je pense qu'ils ne vont pas m'engager à l'hôpital. Mm. Dans ce cas, je vais profiter pour faire encore une autre formation. Je suis rentrée. Avant-hier encore, j'ai pris la même vidéo du prophète. J'étais là, je touchais l'écran encore, je touchais quand il prêchait. Et dans l'après-midi, j'ai une amie qui est venue, on était en train de manger, je reçois un coup de fil. Je reçois un coup de fil, on me dit, écoutez, madame, vous savez que vous êtes engagée, donc vous pouvez passer la semaine prochaine. Oh, Jésus. Oui, que vous venez chercher votre badge. J'ai dit quoi? J'ai dit, oh, merci Dieu. Après, j'ai dit, oh, mais donc, c'est que le prophète Joël Crasso nous dit, il faut qu'on suive ça vraiment à la lettre. C'est pour vous dire que Dieu utilise vraiment le prophète Joël Crasso pour nous aider. Parce qu'à travers lui, Jésus fait beaucoup de grâce. Yes! Jésus fait des miracles. Oui! Raison pour laquelle j'ai dit, ben, je tiens à faire ce témoignage pour édifier le peuple de Dieu. Amen. Qu'il sache que Dieu est réel. Yes. Et que Jésus-Christ, il est avec nous. Yes. Et il va toujours agir si nous comptons sur lui. Hein. Yes. Vérité. Voilà. Soit que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénisse le prophète Crasso. Amen. Merci. Bonsoir. Sois béni, le frère. Merci.
Je viens de l'Allemagne. Alléluia. J'attendais que le programme de l'Allemagne ait lieu. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et mon témoignage va se passer en deux temps. Alléluia. Le jeudi 13 avril, dans mon sommeil, je me suis retrouvé dans une conférence comme ça, où le prophète présidait. Oui. Et j'ai été pris par l'esprit. Alléluia. Et là, je tremblais beaucoup, je convulsais. Et après ça, ce moment est passé. Et ensuite, deuxième temps, je vois le prophète dans ma ville natale au Burkina Faso. Donc, je me réveille encore et je dis, bon, comment je vais faire pour le rencontrer? Donc, j'essaie de lutter, je voulais venir à Paris, mais je n'ai pas pu. Et c'est hier que j'ai fait, avant-hier, quand j'ai décidé de venir, avant-hier, je n'ai pas dormi. C'était très difficile pour moi. Ah bon? Oui, oui. Et hier, j'ai fait l'effort, je suis venu, j'ai été à l'hôtel. Et la nuit, je dors vers 4 heures, je me retrouve. Micro. Je me retrouve encore en assemblée comme ça. Il y a des femmes devant moi et le prophète est là. Quand il est passé, il y a quelque chose qui m'a pris sur la tête, qui m'a convulsé fort. Ouais. Et là, je me suis réveillé, j'ai fait la prière encore et j'ai dormi. Et j'ai dit que bon, réellement, il faut que je témoigne que c'est Dieu qui utilise son serviteur. Alléluia. Parce que bon, moi je ne l'ai jamais vu, c'est à travers les vidéos. Yes. Mais Dieu s'est révélé à moi pour montrer qu'il fallait que je vienne le rencontrer. C'est pour ça que je tiens à témoigner, à glorifier son nom. Nous allons ici devant toi. On est ensemble. Bonsoir tout le monde. Sois béni. J'ai été la dernière fois à Paris. Je le dis encore, je n'ai pas la facilité de parler comme ça, c'est difficile, mais bon, j'ai trouvé mes mots. J'ai été la dernière fois sur Paris, et c'était pour qu'on assiste à une messe, à une prière avec le prophète Casso. Et donc, je n'aimerais pas trop rentrer dans les détails, donc j'ai lu un peu plus vite. Fais ton témoignage normal, mais tu ne gênes pas. On a tout le temps. Hein? Donc, je suis venu édifier le peuple. Il ne faut pas avoir peur. J'ai connu le prophète Casso bien depuis une grande à moi, qui m'a dit, bon, voilà, donc j'ai regardé la vidéo, tout ça. Ça m'a impressionné, je me suis dit, mais de nos jours, ça fait un peu peur, quelqu'un qui chasse des sorciers comme ça, tout et tout. Moi, je me suis dit, peut-être que c'est un film nigérien où il chasse des sorciers. Donc, je me suis dit, bon, et j'ai commencé à regarder, et vers la fin, j'étais à court. C'est-à-dire que quand je sortais de la maison, j'allais au foot, quand je rentrais du foot, j'avais ma tablette sur mes jambes, toute ma journée, c'était ça. Donc, à un moment, même, mon épouse, mon mari, ma copine s'est plaignée, elle se disait, mais tu étais toujours sur ton. T'es toujours sur ta tablette, tout ça, tout ça. Parfois, elle faisait semblant, elle passait juste derrière moi pour voir ce que je faisais. Elle voyait que c'était la vidéo. Elle m'a demandé, mais qui tu regardes? Moi, j'ai dit, je regarde un prophète. Elle m'a dit, ah, ok, c'est bon. Donc, pour dire un mot, j'ai pas arrêté, même tard dans la nuit. Parfois, je peux commencer, je sais pas. Franchement, c'est plus fort que moi, je sais pas. Parce que c'est les vidéos sont différentes. À force de regarder, tu t'en passes pas. Donc, je regardais, même pas dans la nuit. Parfois, vers 4h du matin, je regardais. Et puis jusqu'au matin, je me réveille le matin, je me réveille sur 2 heures de temps, et puis voilà. Donc, et j'ai dit, bon, il faut que je le rencontre. Et je suis venu, et tout, on a prié, tout ça. Et j'ai fait mon témoignage que voilà. J'ai joué au foot, et j'ai eu la chance, c'est pas que quelqu'un m'a dit non, allez, viens, on ira en Europe. C'est mon talent qui m'a fait venir ici, donc ce qui prouve que j'ai quelque chose dans les jambes. Et j'en doute pas. Mais bon, à un moment, en 2008, j'ai joué ici en France. En 2008, ma carrière a basculé. J'étais en vacances à Abidjan avec mon ex-épouse, qui se mariait également, qui était une Française. Et il s'est passé quelque chose de spécial. Parce que moi, avant de partir, je sentais que j'avais des problèmes à mon club. Mon entraîneur ne voulait plus me voir, des histoires comme ça. Donc, je me disais, bon, vu que c'est la fin du mercato, je vais à Abidjan en vacances. Et des vacances à Abidjan, je vais voir qu'est-ce que je vais faire, peut-être un autre club en France. Et pas à Abidjan, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une possibilité dans un autre pays, dans un pays arabe. Donc j'ai été là-bas, ça s'est passé spécialement.
Oui, dans mon rêve, j'ai devais signer un contrat, ils sont venus me prendre le contrat physiquement, j'ai vu, mais c'était un homme qui a pris le contrat, et jusqu'à aujourd'hui, le contrat, il a disparu. Et puis voilà, donc l'année qui a suivi, j'ai eu encore une autre proposition là-bas, je suis parti, c'était quelque chose de bizarre, quand j'ai dit, je fais l'essai, c'était bon, c'était intéressant, mais bon, voilà, ils ont dit non, et l'entraîneur qui a évalué midi après, c'est l'ancien entraîneur de l'équipe de Al Ahly d'Égypte. Il a été entraîneur de l'équipe nationale de l'Égypte où ils ont gagné 4 fois successives la Coupe d'Afrique. Donc il m'a passé sa carte de visite, il m'a dit, tiens ma carte de visite, tu gardes avec toi. Moi je l'ai pris, mais par respect, j'ai levé la tête et je suis parti. Mais après j'ai eu mal, je me suis dit, mais si tu me trouves bien, garde-moi, tu me donnes pas ta carte de visite, je fais que ta carte de visite. Mais je l'ai pris quand même, et puis après bon. Donc maintenant pour dire que depuis lors, mon foot, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vu que je ne sais pas d'autre chose, donc je sais, je commence avec un club, ça se passe mal. Ou soit. On fait la préparation, ça se passe bien. S'il y a 4 matchs en préparation, je joue les 4 matchs en préparation. Je suis titulaire, je marque même parfois des buts. Voilà, mais quand le championnat commence, premier match, deuxième match, troisième match, je sens que c'est comme si mon cœur me disait, l'entraîneur était plus, Et puis physiquement, ça se passe. C'est comme si j'entendais les choses qui se réalisaient physiquement. Et de jour en jour, ça commençait à capoter jusqu'au jour, jusqu'à aujourd'hui. Je commence dans un club, ça se passe mal, je pars. Si on dit, hein, les essai, si je me présente, ils vont dire, ouais, il est bon. Mais dès qu'ils veulent commencer à passer à l'acte, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, derrière moi, comment on appelle ça, en Suède. J'ai signé le contrat, on a parlé de l'argent, tout était bon. Je suis allé, ça s'est bien passé, et tout et tout. Après, côté argent, ils m'appellent, ils me disent, non, on va faire des décomptes, parce que celui qui t'a fait venir, voilà, voici. Moi, j'ai l'air de dire, vous me voulez ça depuis Bruxelles, je ne vais pas venir ici. J'ai dit, c'est bon, il n'y a pas de souci, je vais faire un mois. Je vais voir ce que ça va donner et puis après. Mais à un mois, j'ai vu que c'était trop de gâchis. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait, ils venaient me dire quelque chose sur mon argent. C'est comme si quelque chose voulait me. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre ce qui est là. Même ce qui est là, on peut venir planter là-dedans. Je leur ai dit, bon, écoutez, c'est bon, moi je retourne à Bruxelles. Donc j'ai laissé l'argent, j'ai laissé le club, je suis venu. L'entraîneur m'appelle, il me dit, non, c'est bon, je ne peux pas rester comme ça sans jouer, c'est bon. En juin, vous allez me libérer. Donc, je suis rentré sur Bruxelles. Et puis, voilà, donc. J'ai commencé à suivre les vidéos et autres, et je suis venu rencontrer le prophète, j'ai fait mon témoignage, j'ai dit j'ai pas honte, parce que dans un mot on dit toujours, quand tu es sincère avec Dieu, Dieu est sincère avec toi. Amen. Moi j'ai, c'est pas une fierté à moi de dire que, je suis passé dans des bêtises, c'est je dis la vérité, je suis allé, j'ai touché des choses qui sont pas bien, mais à chaque fois, au fond de mon cœur j'avais Dieu. Et j'ai eu la confirmation parce qu'on m'a dit que quand tu vas faire, tu crois en Dieu. Donc le gars dit qu'il faut croire en ce que tu vois au lieu de croire en Dieu. C'est ça qui va te faire réussir. J'ai dit, mais si je crois, je peux m'obliger. Il m'a dit, c'est comme ça. Il dit, dans ce cas-là, donc les médicaments là, ça ne peut pas marcher avec moi. Parce que moi-même, je ne crois pas en ça. Mais vu qu'il n'y a pas de solution, je me dis, bon voilà, et ma foi est bafouée. Je me suis dit, vu que mes amis le font et voilà, ils sont là où ils sont aujourd'hui, je vais faire la même chose. Mais bon, Dieu m'a dit que voilà, ce n'était pas ce qu'il avait choisi pour moi. Même on pouvait me donner une eau, on me dit, bon, faut te laver avec ça, demande ce que tu veux, je lui demande ce que je veux. Quand je me lave avec ça, au fond, mais moi, je ne crois pas. Et le gars vient me dit après, pourquoi tu ne crois pas, faut te laver encore là-bas, parce que... Donc c'est peut-être trop d'anarchie. Donc vous dites que, depuis que j'ai commencé à... Je suis chrétien, je connais Jésus, mais je n'avais pas accepté Jésus à 100%. Vous dites que Jésus, je le sentais comme mon autre créateur, mais je le sentais loin de moi. Je ne savais pas ce qu'il m'appelait un miracle comme ça, moi, je disais non. Mais à force de regarder les choses du prophète Passo, j'ai senti que le miracle c'est quelque chose qui est c'est pas dans des films, c'est physique, ça peut se passer. Dieu peut se manifester comme il veut. Donc je me suis rapproché de Dieu et voilà. Je suis venu ici, je suis retourné, j'ai acheté de l'huile tout et tout. J'ai un petit garçon, comment on appelle ça, de 3 ans et demi. Lui, tous les nuits, il se lève tard, à partir de 2h du matin, c'est comme s'il avait une horloge. Il se lève dans la maison, il court, oh, j'ai vu crapaud. Non, on ne comprenait pas c'était quoi. Donc, quand on est retourné à la maison, moi, je disais à ma copine, j'ai dit, lui, là, c'est un crapaud, là, il faut le mettre lui dessus, là, c'est la tête, chaque fois, il va dormir. Donc, la première nuit, on lui a mis lui sur la tête, il s'est assis sur son lit. Je dis, on dit, bon, faut te coucher. Donc, on le fait coucher, on dort, il s'assoit. Je suis allé le trouver, il dit, pourquoi tu dors pas? Il dit, non, que quand il voit des choses dans la maison, il dit, ah, d'accord. Donc moi j'ai pris l'huile là, j'ai mis sur son front, j'ai prié pour lui, je suis allé lui coucher. Et j'ai parlé de quelque chose qui a duré 6 mois, 7 mois. Parce que voilà, je ne vais pas entendre de détails. Mais depuis que moi je l'ai connu, tous
toutes les nuits, l'enfant il court dans la maison. Mais depuis qu'on a mis l'huile sur son visage, il fait des nuits. Il dort même jusqu'au matin, c'est nous qui souvent qui nous réveillons, vous dites tu dois aller à l'école, lève-toi, lève-toi. Le prophète ne l'a pas touché. En fait, mon intention, je suis venu avec. Moi, j'appelle ça mon bataillon parce que ceux qui ont vu la première fois, la dernière fois, je suis venu avec mes deux petits, puis mon épouse. Donc, je suis venu avec tout le monde. Il dit avant, le prophète va les toucher. Mais voilà, il ne les a pas touchés, juste l'huile. Et puis voilà. Et puis cette fois-ci, on ne m'a pas dit il faut croire parce que je savais que c'était la vérité. J'ai cru. Donc, et voilà, j'ai fait mon témoignage, je suis parti. Si je veux rencontrer le prophète lui-même en personne, ben je me suis dit à un moment, accepte Dieu déjà, vu que c'est Dieu qui s'est manifesté en lui, donc c'est Dieu qui va passer par lui pour prier pour toi. Tu n'es pas obligé qu'il mette ta main sur toi ou fasse quelque chose. Donc je me suis dit même, c'est pas un problème. Donc j'étais dans mon coin, je suivais toujours les vidéos, j'ai prié, je me suis plus rapproché de Dieu. Et comment on dit, j'étais là, le CD là. Il m'a fait un cadeau, un CD. Et ma copine me dit, mais il t'a fait un cadeau de CD, tu ne peux même pas le CD. Tu es toujours sur ces vidéos, sur ces vidéos. Moi, j'ai fait, ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'étais sur YouTube, j'ai regardé un moment pour faire Crasso Louange. Donc, j'ai cliqué sur Louange, c'est comme si c'était son église qu'il a en Afrique, quoi. Il rentrait dans l'église et c'était que la louange. Ça a dû prendre 35 minutes. Moi, je me suis dit, moi, je peux faire suivre ça où les gens dansent en live, moi aussi, je danse avec eux, que mettre là le CD qui tourne. Donc moi j'ai mis la vidéo où les gens dansaient, le culte, tout ça, et il y avait des musiques. Parce que c'est ma langue, il a dit ma langue à moi. Donc je comprenais ce qu'il disait, c'était des mots qui étaient vrais, qui étaient purs. Donc j'ai commencé à chanter avec la chanson et j'ai commencé à avoir des frissons, ça m'a fait tellement du bien, ça m'a apaisé moi-même. Amen. Parce que je pouvais me lever le matin, j'avais une forte colère en moi, je ne sais pas pourquoi. Une forte colère en moi. Mais depuis que je commence à suivre et écouter la musique, ça m'a... Dès que j'écoute ça, ça m'apaise. Et c'est comme s'il y avait une bouche juste derrière mon oreille qui me sifflait des choses qui me mettaient la colère à moi. C'est-à-dire que voilà. Donc depuis que j'écoute la musique, j'ai commencé à avoir une bonne pensée positive vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon futur et vis-à-vis de ce que j'ai envie de entreprendre. Donc mon témoignage, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a 3 jours de cela, j'étais à la maison. Et vu que je suis passé ici en France, j'ai joué ici en France, j'étais à Châteauroux. Il y a un agent de joueurs ivoirien qui est en contact avec l'équipe nationale qui fait venir pas mal de joueurs. Donc il est en collaboration avec un Européen ici. Donc il m'a contacté il y a un an de cela. Je lui ai envoyé mon dossier, il m'a regardé, il m'a dit « T'as peut-être commencé au moment où on voit que ton football s'est baissé. Moi, les gens avec qui je travaille ne sont pas intéressés par toi. » Moi, j'ai fait ça par exemple, j'ai pas un problème. De toute façon, le jour que tu trouves un truc, tu me dis quoi. Il dit « D'accord. » Et j'ai un ami qui jouait dans un club en Belgique, bon, on jouait dans le même club, parce qu'il vient d'un autre club, il a joué dans le même club que moi. Donc il me disait, non, il y a un agent avec qui il est en contact. Je lui ai dit, mais faut me mettre en contact avec lui, on ne sait jamais, peut-être qu'il pourra trouver quelque chose pour moi. Donc moi j'envoie mon dossier à l'agent, l'agent me contacte, il me dit, bon, ton dossier ne m'intéresse pas trop, parce que je vois que tu as bien commencé à un moment, c'est flou, et j'ai pas trop confiance, tout et tout. Et j'ai fait, je comprends pas. Donc bref, c'est pour dire qu'il n'est pas intéressé, donc il a trouvé une manière de me dire, moi j'ai respecté, j'ai touché dans mon coin. Et de temps en temps, l'agent ivoirien, il m'appelait parfois, il me disait, non, est-ce que t'as pas un ami qui joue le même poste que toi, tout et tout. J'ai fait, ah. Et moi-même, il me dit, non, mais attends d'abord, le même poste que toi. J'ai fait, j'en ai. Il dit, bon, mets-moi en contact. Je mets en contact. À chaque fois, c'est comme ça, je le mets en contact. Un jour, il m'a dit, mais ça te dérange pas quand je t'appelle, je te demande après des amis, tout ça. Il me dit, ça me dérange, mais c'est pas que je suis jaloux. Mais j'aimerais que ça soit moi. Mais comme la Bible dit que quand tu as un bon cœur, tu penses bien de ton prochain. T'attends pas que Dieu pense bien de toi-même. Donc moi, c'était un jour pour moi va venir. Il m'a dit, il faut espérer, on serre les doigts. Donc j'étais à la maison. Donc moi, tous les matins, quand je me réveille, je bois l'huile. Le soir, avant de dormir, je bois l'huile. Ouais, moi, je m'amuse pas avec ça. Moi, je mets l'huile, je bois. Donc, j'étais là et mon téléphone sort. Dès que mon téléphone a sonné, j'ai eu comme des palpitations. Mon cœur battait fort. Et normalement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas? Donc j'ai dit, c'est l'agent ivoirien qui m'appelle. J'ai décroché, j'ai dit, allô. Il me dit, ça va, j'ai dit, oui, ça va. Il me dit, comment tu vas? Il dit, ça. Il dit, bah écoute, d'abord, il y a 2 jours de cela, ma copine m'a dit, le football en Turquie, ça paye beaucoup, hein, j'ai vu un reportage là, ça paye mieux qu'en Europe. J'ai fait, oui, maintenant ça paye super mieux qu'en Europe. Elle dit, d'accord. Donc il m'appelle, il me dit, ça t'intéresse la Turquie. Donc moi, j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé ma copine, j'ai dit, mais la Turquie. Je lui ai dit, mais il la connaît pas, comment elle peut parler de la Turquie? J'ai dit, oui, ça m'intéresse. Il dit, bon, écoute,
J'ai mon collaborateur là, qui est en France, qui m'a demandé un jour, moi je vais proposer ton dossier. Mais il a édifié, il m'a dit c'est pas possible que depuis 2008, il t'a perdu de vue en France et qu'il ne savait pas où tu étais rentré et qu'il est content de te revoir. Il est content de voir ton dossier venir assis sur son bureau à lui. Moi j'ai fait un bon, il dit ouais. Il dit bon, il va te contacter. Il dit donne-moi son numéro, je vais le contacter. Donc il m'envoie le numéro. Ouais, mon téléphone il est là, moi je peux vous montrer hein, et la conversation que j'ai eue sur le WhatsApp. Et quand j'ai contacté l'agent, la conversation que j'ai eue avec l'agent, je vais montrer à papa après. Donc l'agent m'a dit non, il m'a dit passe-moi, j'ai dit bon, donne-moi son numéro. J'ai enregistré son numéro dans le téléphone. C'est la même photo de WhatsApp qu'il y avait un an où j'ai parlé avec. Au fait, c'est l'agent que j'avais contacté il y a un an qui me disait qu'il n'était pas aussi intéressé par moi. Et c'est lui qui me dit en 2008, il me poursuit. C'est deux choses. Et que j'avais disparu. Donc je l'appelle, alors bonjour, ça va? Il dit mon nom, comme si on se connaissait, il dit ça va, je dis ça va. Il dit bon écoute, il y a longtemps tu ne vas pas te rappeler de moi, mais voilà, je venais parfois au club, et je t'ai vu tout et tout, et moi je ne sais pas où tu étais rappelé, tu avais disparu. Ça t'intéresse la Turquie? Je fais, ouais ça m'intéresse, du moment où j'ai confiance à M. Kouakou, moi je ne vous connais pas personnellement, mais vu que j'ai confiance en lui qui parle avec vous, voilà, donc je vous fais confiance, je suis intéressé. Il m'a dit mais tu n'as pas le choix, et puis moi j'ai rigolé. Tu fais ouais j'ai besoin de jouer, il dit voilà. Il dit ben écoute, donc si je t'appelle là chez lui, demain tu prends tes valises, tu vas en Turquie, tu vas jouer. Tu viens, je viens tout de suite. Après, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, est-ce qu'il a bien regardé mon dossier? Parce que si c'est la peine, si se souvient que c'est moi, il va fuir. Donc je lui demande, je dis, mais est-ce que monsieur Kouakou vous a envoyé mon dossier? Il dit, ben oui, ton dossier, je le connais, il est là sur ma table, je t'ai dit que je t'avais perdu de vue depuis 2009. Non, je me suis dit, ben, je lui dis pas que c'est moi qui l'a vu, hein, et rien n'a passé, parce qu'il va encore fuir. Je le rappelle encore, il me dit, ah non, 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 il dit, lui, ça ne s'appelle pas, que lui, ça ne s'appelle pas du tout. Et que, voilà, et que, vu que la Turquie m'intéresse, c'est dans 72 heures ou plus qu'il va me contacter. Mais s'il me contacte, c'est pour tout de suite aller. Donc, il aimerait travailler avec moi, il a commencé à me faire un peu des petits mots de drague, comme il a l'habitude de faire. Et quand il a fini, J'étais tellement un truc que j'ai commencé à couler les larmes, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à remercier Dieu. Je me suis dit... Alléluia, on s'acclame. Je me suis dit d'un côté, j'ai pas beaucoup de propositions, parfois on me fait une proposition, à la dernière minute, le gars il tourne tôt. Mais je me suis dit, mais... Et tout de suite j'ai été, il y a une pensée qui m'a dit, c'est la même chose qui va se passer, ils vont te proposer à la dernière minute, ils vont te laisser. Et en même temps, j'ai contacté avec une pensée qui m'a dit dans ma tête, quand Dieu donne, sa grâce ne subit aucun chagrin. Donc c'est Dieu qui me dit ça. Je suis sûr que ça ira à terme. Donc voilà, j'ai pas voulu finir faire le témoignage parce que je me suis dit, on est dans les 72 heures, on va attendre que ça finisse. Mais mon père m'a dit, c'est encore un manque de foi, il faut aller. Il faut aller confesser que Dieu t'a déjà béni parce que Dieu t'a béni. Peu importe que ça soit 72 ou 73 heures, je sais qu'il va me contacter. Yes. Et cette fois-ci, j'irai et ça sera pour de bon. Et cette fois-ci, je suis vu que je suis dans Jésus. Voilà. Je n'ai pas trop entendu les détails. Je pense que j'aurai le temps de parler avec le prophète. Parce que il y a quelqu'un qui m'a dit à moi, j'ai aussi un homme spirituel, un père spirituel avec qui je prie. Le prophète a dit la dernière fois, il y a diversité de dons, diversité de... Donc chaque homme de Dieu a son don. Ouais. Faut pas bannir parce que tous sont des hommes de Dieu. Ouais. Et voilà, donc je lui ai dit, il m'a dit après, il a dit qu'il est super content pour moi, tout et tout. Et que voilà, je devais regarder d'abord pour moi, tout et tout, je l'ai dit, j'ai compris. Mais au fond de mon cœur, je savais que je ne pouvais pas le garder pour moi parce que quand Dieu te bénit, même si c'est un petit truc, ou soit peut-être quand Dieu fait un pas dans ta vie, il faut le saisir avec les deux mains. Donc c'est en faisant un témoignage que je vais faire savoir aux gens que Dieu a en train d'agir dans ma vie et il a besoin de l'évolution. Aujourd'hui, j'avais accepté Jésus. Aujourd'hui, je suis dans une promesse. Demain, je vais signer. Et demain, je vais donner mon maillot au prophète. Et il m'a posé une question, il m'a dit, mais cet argent-là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Moi je lui ai dit l'argent, il dit oui, il dit mais moi déjà là où je suis pas, où je viens, je pensais plus jamais aller toucher une telle somme d'argent, tu vois. Parce que là-bas le contrat minimum, je ne veux pas dire la somme. Je ne suis pas intéressé par l'argent aujourd'hui. Je suis intéressé parce que j'ai fait une promesse à Dieu, je lui ai dit,
J'ai beaucoup d'amis à moi qui sont dans le foot aujourd'hui, mais qui sont malheureux. Vraiment malheureux, ils ont beaucoup d'argent, ils ont 5 voitures, de grosses voitures, ils sont très malheureux parce que quand ils dorment, ils ont peur. S'ils meurent dans le sommeil, ils savent où ils vont. Chaque année, ils font des sacrifices. Je le dis parce que moi, je vais leur dire, je ne suis pas un homme de Dieu, mais je vais leur dire que moi, mon Dieu, il est vivant. Parce que tous ceux qui sont bien au fond d'eux, lui, c'est fini pour lui. Moi, je vais leur dire à moi que je suis là avec lui. C'est jamais fini. Je n'ai sacrifié aucun enfant. Je n'ai sacrifié aucun organe. Je n'ai sacrifié aucun bœuf, aucun poulet, aucun rien du tout. J'ai juste confessé que j'avais fait du mal à Jésus et que j'ai l'accepté. Alléluia. Donc cet argent, c'est pas à moi. C'est vrai que j'ai besoin d'un minimum, mais cet argent, c'est pour servir Jésus. C'est l'argent de Jésus, c'est pas pour moi. Jésus fait des miracles. C'est pas pour moi parce que je ne m'attendais pas un jour à gagner une somme d'argent. Je m'attendais avant, mais dans ma tête, j'étais comme, je voyais comment est-ce que j'allais arrêter le foot. J'ai même dit à prophète la dernière fois, plutôt, j'allais arrêter parce que je suis fatigué. Donc voilà. Moi, je voulais qu'on remercie Dieu et que le prophète n'est pas obligé de vous toucher. Il n'est pas obligé de vous toucher. Il suffit juste que vous soyez disposé. Il suffit juste que vous soyez en contact avec votre Dieu. Et le reste va se faire. Quand je suis arrivé, c'est la tante qui m'a dit, non, c'est une autre, oui. Elle m'a dit, il y a une dame qui m'a donné de la place au deuxième rang ici. Et elle m'a dit, assieds-toi à côté de moi parce qu'on est arrivés ensemble. Et moi, je lui ai dit, non, s'il y a une dame qui veut s'asseoir, qu'elle s'asseye, moi, je peux m'asseoir derrière. Et elle m'a dit, il a compris parce que même derrière, sur le prophète, il peut vous toucher des derrière, il va vous toucher jusqu'à là-bas. Il n'y a pas besoin d'être obligé de s'asseoir devant. Ça a béni. Donc, que vous venez voir le prophète qui prie pour vous, qui prie pas pour vous. Le fait de garder l'esprit de Dieu en vous, là où vous allez, il suffit de le vivifier, ça dit que restez toujours dans la présence de Dieu. Amen. Quelque chose va se passer. Alléluia, on attend Jésus pour son témoignage. Merci bien, soyez bénis.